Mais Alex, qu'est-ce que tu as trouvé là? Regarde, c'est fascinant. Ce sont des zoothèques de menthe religieuse. Bon, des bibliothèques de menthe religieuse? Mais non, pas des bibliothèques, des zoothèques. Des zoothèques? Exactement. C'est là que les menthes religieuses ont pondu leurs œufs. Ah oui? Elles ont pondu sur nos volets? Oui, elles ont besoin d'un endroit stable pour pondre leurs œufs. Et à l'intérieur de chacune des deux zoothèques, il y a 250 futures petites menthes. Oh, c'est fou ça! Regarde, je vais t'expliquer comment elles font. Qu'est-ce que tu fais avec une boîte d'œufs de poule? Ben parce qu'en fait, une zoothèque, c'est pareil qu'une boîte d'œufs. À l'intérieur, il y a les œufs et autour, il y a une protection. Sauf que la menthe religieuse, elle pond tout d'un coup, les œufs et la boîte. Mais c'est fou ça! Bon, évidemment, elle pond pas une boîte dure. Au début, c'est plutôt une sorte de mousse qui, à l'air libre, devient rigide pour bien protéger les futures petites menthes. Ah oui! Et elles ont pondu ça quand? Elles ont pondu ça en octobre. Et il y aura les petites menthes qui vont sortir des zoothèques fin du mois de mai. Oh, j'ai hâte de voir ça, hein.